Vivez avec nous la présence et la puissance de Dieu dans le réveil. Pendant l'évangélisation du mardi 05 septembre 2023, après la période des 21 jours de jeûne et prière ayant pour thème « Levez-vous, montez et restez », le Seigneur s'est glorifié puissamment en opérant de puissants miracles, notamment un fou qui fut guéri et une paralytique délivrée de sa paralysie par le Saint-Esprit lui-même. Notez que notre évangile n'est pas basé sur le miracle seulement, mais premièrement la repentance et la sanctification pour préparer les saints à l'enlèvement. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Ce soir, nous sommes sortis pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et nous étions partis d'abord devant et parler. Nous avons parlé aux âmes, nous avons prêché la bonne nouvelle comme cela se doit, comme le Seigneur nous a commandé. La religion catholique ne sauve pas. Oh, catholique qui s'aime le problème. La religion évangélique ne sauve pas. Oh, on a quoi qu'on y m'a le problème. Qu'est-ce qu'il sauve? Éternel problème. Qu'est-ce qu'il sauve, grand? Éternel problème, attends. C'est Jésus-Christ. Jésus, quel est le problème? C'est Jésus-Christ qui sauve. Jésus, quoi? Maintenant, à notre retour, nous sommes venus ici et nous avons vu des sœurs qui sont en train de passer. D'abord, nous avons vu quelqu'un qui est animé de l'esprit de la folie. Le Seigneur nous a infilé, comme il nous a donné tout le pouvoir de tout faire, de guérir les malades, de délivrer ceux qui sont emboutés. Nous avons commencé la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté et celui qui est animé de l'esprit de fou, le Seigneur l'a délivré. Gloire à Jésus, alléluia. Et après cela, ce soir, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur l'a restauré. Elle était paralysée et aujourd'hui le Seigneur l'a délivré et elle marche sur ses pieds. Gloire à Jésus. Le Seigneur même a changé son nom. Avant, elle s'appelait Judith et le Seigneur l'a donné le nom Déborah. Alléluia! Gloire à Jésus! L'esprit vient de parler. Il a dit qu'il n'y a pas de aujourd'hui. Quelle est sa servante? Il n'y a pas d'aujourd'hui, elle va commencer par venir le servir en Jésus le bien. Et qu'avant,
elle vendait des choses là, des bières. Et à partir de maintenant, elle va laisser tous ses alcools. Et maintenant, elle va commencer par le chercher. Et le Seigneur va lui montrer maintenant ce qu'elle va commencer par vendre désormais. Et qu'avant, son nom était Judith. Mais à partir de Jésus, elle lui donne le nom de Déborah. Qu'elle est sa servante Déborah maintenant. Oui. Et par elle, elle va sauver sa famille. Par elle, elle va faire beaucoup de choses dans sa famille. Et qu'à partir de maintenant, que tous les mèches qui sont sur ta tête, les boucles d'oreilles, les vernis, tout ce qui contient le document, elle va tout enlever. Maintenant, revenir à lui et le servir à Jésus le bien. Oui. L'esprit de Dieu a bien considéré cela et a attesté cela. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a même dit qu'il a restauré et il a guéri définitivement de tout ce mal, de tout. Alléluia. 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 Il a restauré. Et mais là, mais mon, et à quoi nous sommes. Il faut qu'il y ait des émotions. Il est bon, prenez vos dormir. Vous pouvez, merci, non, là, il est bon, prenez. Mais non, là, il y a le pauvre, vous tombez. Pour nous, madame, il y a tout, c'est ma donne, non, là, il y a rien dans nos voies, mais il y a eu des émotions. Donc, plus que tu n'as mis les corps, les gens, comme ils sont aussi, mon pote, là. Quand tout le monde est le nom, mais là, il y a 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 là. Cette manifestation a suscité la crainte dans les cœurs et a conduit cette sœur, par exemple, à la repentance et confession du nom de Jésus-Christ. Yes, 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 yes